bonsoir à tous. La 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 sainte journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Fastoche. Je m'appelle Brigitte, mais c'est de la folie. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr. Moi, je dis stop. Vous revenez de course. Pardon ? Vous revenez de course. Ah non, pas du tout, c'est du maquillage, je me suis frotté les yeux. Qu'il est bête. En tout cas, vous êtes ami avec monsieur Lee Kun-hee. Attendez, ami, c'est un bien grand mot. Non, 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 je suis juste tombée sur lui par hasard l'année dernière à Kstadt, sur une piste. Quand je dis tombée sur lui, c'est au sens propre, hein. J'ai su. Ah oui, j'ai chu sur l'individu, c'est-à-dire que j'étais en bobsleigh. Oui. Hein, je suis un petit peu sortie de ma piste, c'est vrai, j'étais tuchus, hein, comme on dit, et j'ai percuté l'individu de plein fouet, dites-donc. Vous étiez tracté par qui? Par mes lévriers afghans, comme d'habitude. Vous êtes gentil. Et alors, donc, j'avais décidé de l'enlever, mais je m'en fous, c'est pas grave. Et alors, non, vous faites ce que vous voulez. Et donc, j'ai percuté Lee Kun-hee. Oui. Et alors donc, j'ai eu peur, j'ai cru que je lui avais cassé quelque chose, bien sûr. Dieu merci, il avait seulement quelques fractures, c'est bon. Ah, j'ai failli l'abattre, hein, c'était les pattes arrière, mais enfin, on m'a pas laissé faire. Alors quand il a appris que j'allais à Courchevel cette année pour passer mon flocon, oui. C'est là qu'il a pris les chocottes et qu'il a balisé l'animal, bien sûr. Balisé dans tous les sens du terme, propre figuré. Vous voulez dire que c'est à cause de vous, en fait, à cause de ce qui s'est passé l'année dernière, que cette année, il a fait bloquer les pistes à Courche. Mais tout à fait. Par peur que vous y soyez aussi. Absolument. En même temps, vous savez, il a fait bloquer les pistes, mais vous savez, ça, c'est... Vous savez, louer des endroits publics comme ça, dans notre milieu, c'est monnaie courante, on le fait sans arrêt. Ah oui? Oh, moi, quand j'ai envie de faire un bain de pied, je loue la mer morte. Mais bien sûr, c'est notre naturel. Mais c'est normal, on s'en fiche. Hein? J'ai pas vu. C'est pour ça qu'elle est morte, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'elle est morte, bien sûr. J'ai abusé du bain de pied, évidemment. Bien sûr, non, c'est normal de faire ça, vous savez. Et alors, vous avez donc, comme notre PDG coréen, des ce qu'on peut appeler, pardon, j'espère que je ne vais pas vous insulter. Essayez. Mais des caprices de riches. Oh non, ce ne sont pas des caprices. Oh non, vous exagérez, non, c'est juste que j'aime faire les choses en grand. Ah oui. Et c'est vrai, quand j'ai une envie pressante, par exemple, de faire une partie de petits chevaux, bon, ben, je loue l'hippodrome de Longchamp, c'est tout. Ah oui. Et on joue grandeur nature, on s'amuse. Mais les chevaux se font chier, en revanche. Ah oui? Ah ben oui, parce qu'ils avancent case par case, ils s'ennuient. Et oui, on joue grandeur nature. Vous imaginez la taille des dés? C'est énorme, on est obligé de les faire lâcher d'un hélicoptère à chaque fois. Ouais. Faut pas être dessous, j'ai perdu deux cousines comme ça dedans. C'est pas de bol, hein? C'est ballot de mourir écrasé par un double 6. Mais alors, ça nous intéresse finalement tous. Oui, ça nous intéresse finalement tous. On voit qu'on peut louer des pistes de ski. Vous avez loué un hippodrome. Qu'est-ce que vous avez loué d'autre? Oh, j'ai loué des tas de choses. J'ai loué l'Adriatique pour faire un water-polo. On a beaucoup ri. J'ai loué l'Arc de Triomphe pour faire une partie de croquet géant. C'est fastoche entre nous, vraiment. Hein, faut être vraiment nul. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué la Sardaigne pour un pique-nique en famille. On était serrés comme des sardaignes. Ah, allez, hop, elle est gratuite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai loué les dieux du stade également. Ah oui. Pour. Pour une partie de rugby, coquin. Ah, oh, qu'il est bête. Et alors, chaque nuit, enfin très souvent, en tout cas, je loue le zoo de Vincennes pour faire des safaris. Ah oui. Ah, on tire à vue. Enfin, à blanc, bien sûr. Évidemment. C'est pour mon aîné, Charles Apollon, il adore ça. Il adore trop ça, d'ailleurs, parce que la semaine dernière, il s'est entiché d'une jeune babouine à peine majeure. Ben, résultat, je suis grand-mère à l'automne prochain. Je connais même pas les parents. Puisqu'on est dans les caprices, donc on a bien compris, vous louez parfois certains lieux, mais est-ce que vous louez aussi des personnalités? À moult. Ah oui. À moult. Ah oui, oui, une fois j'ai eu Patrice Lafont pour une bouchée de pain. De pain complet, mais de pain quand même. Non, non, et alors dans le feu de l'action, quand j'ai eu mon Patrice Lafont sous la main, je me suis dit, allez, soyons fous, j'ai loué les pyramides d'Égypte pour faire une partie. Une partie de quoi? De pyramides, imbécile. Ah oui. Pyramides. Ah bah dites donc, en décor naturel, ça a de la gueule. Hein, pyramide, vous vous souvenez, Mironton, Barjabul, Nefertiti? Oui. Ah bah, une anecdote à ce propos. En pleine partie, nous étions en plein cagnard, comme ça, à côté des pyramides, et j'entends mon Patrice Lafont qui me dit Nefertiti. Je dis, bah attendez, moi je vais avec vous, Nefer caca. Allez, vous comprenez? On en rit. Oh, on arrive. On arrive comme des filles. Comment voulez-vous après? Bien vrai. Comment voulez-vous? Bien vrai. Bien vrai. Et c'est quoi votre dernière folie? Ma dernière folie, oui. Ma dernière location, vous n'allez pas y croire. Un truc de fou, alors là, je me suis lâchée. Figurez-vous qu'hier soir, j'ai loué une vidéocassette. Non. Mais c'est extraordinaire, vous connaissiez?
cet appareil comme ça, enfin je veux dire, une petite boîte comme ça qu'on enfile comme ça dans un appareil, c'est extraordinaire. Ah ouais. Oh, je me suis amusée, c'était un film de boules. De boules et billes en vacances. Vous êtes vulgaire. Tu as vu, il a cru que c'était. Oui. Il est vulgaire. Vous aussi, vous êtes vulgaire, vous mangez la bouche pleine. Vous me dégoûtez, un évêque. Voilà l'ami. On va vous laisser repartir à la neige. Oui, tout à fait, parce que je passe mon flocon, je suis. Oh, je et suis si vous voyez monsieur Licouni, vous le saluez de notre part. Fabrice Licouni, je lui dirai. Allez, au revoir. Merci. Et oh l'ami, je suis là. Merci Anne-Sophie de la coquillette.